Tout le monde, c'est Medizamoun. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente le trailer de One Piece Pirate Wars 3. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de mes projets pour ceux qui n'ont pas lu la description. Et je vous ferai montrer le trailer de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 qui sortira sur PS4 et Xbox One. Bon, commençons avec le premier trailer. Excusez-moi si ça rame. Attendez. Donc, tu peux en pause. Bon, pour le moment, je vais vous parler de ma description pour ceux qui ne l'avaient pas lu. Je disais enfin, c'était pas prévu que je fasse des vidéos de trailer. Mais voilà, c'est juste pour le moment que je retrouve le chargeur de ma caméra pour que je fasse la vidéo de. Pour que je fasse, comme j'ai dit dans le projet que j'avais écrit sur l'accueil de mon. De ma page. J'ai dit que la toute première vidéo que je ferai, ce qui n'est pas le cas, je les ferai, vous inquiétez pas, ce serait du Hyrule Warrior sur Wii U. Voilà. Je vais faire tout le jeu, bien sûr. Tout le jeu de A à Z. Ensuite, ça sera de la détente, voilà, sur Super Smash Bros. Sur Wii U et 3DS. Ensuite, les 3DS sera pas maintenant, ça sera beaucoup plus longtemps après. Ensuite, il y aura je ferai des vidéos sur les exclusivités PS4 et PS3. Voilà. Et il y aura beaucoup plus de choses, mais pour le moment c'est ce que je me fixe. C'est pas voilà. Donc on reprend le trailer. Excusez-moi si je bouge un peu, hein. C'est parce que je suis avec un téléphone. Hein. Vous voyez, c'est pour ceux qui aiment bien, pour ceux qui suivent One Piece et qui ont joué aux autres Pirate Warrior, celui-là est complètement différent des autres. Celui-là il suit l'histoire, alors que les autres ils vivaient juste un tout petit peu l'histoire. Il est beau le jeu, il est bien fait. Comme je le redis, hein, excusez-moi. Je suis avec un téléphone, tu peux pas trop. Plus. Ça fait mal au bras de tenir le téléphone. Voilà, les amis. Ça, c'était le trailer de One Piece Pirate Wars 3. Ah non, c'est pas fini. Vous savez c'est qui ça, je pense, non? To be continued. Voilà, maintenant on va faire le trailer de Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Alors celui-là, c'est du lourd. Regardez bien, les amis. Espérons qu'il ne va pas trop bouger. Voilà. Attendez, ça bug. Enfin, ça rame. Je mets en pause pour un petit moment. Donc, ah oui, je l'ai pas dit, je l'ai pas mis dans ma description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un unboxing
de Hyrule, voilà, des certains jeux. Par exemple comme Smash Bros, Hyrule, The Last of Us, voilà, de plein d'exclusivités comme ça. N'hésitez pas à me le dire dans la description ou en commentaire, faites comme vous voulez. Et voilà. On peut reprendre. On se retrouve dans le trailer encore une fois. Et hop. Donc pour ceux qui suivent les scans de Naruto et les épisodes, enfin surtout les épisodes là, parce que les scans ça s'est arrêté. Je spoil pas ceux qui suivent Naruto en épisode seulement. Voilà. Donc ça c'est ce qui se passe en épisode. Ah non, pas encore. Ah si si si, excusez-moi. Vous voyez, on voit Kurama avec je ne sais pas quoi au dos. Là c'est voilà, le premier recueil. Le Shirama Senzu. Je suis vraiment désolé que ça bouge. J'aurais préféré que ça soit stable. Mais j'ai pas vraiment le choix. Je suis désolé. Oui, ça n'a rien à voir avec les autres storms. Je sais, on peut enfin se déplacer, on peut enfin sauter avec les modes, comme je dis, mode, comme moi j'appelle ça, mode énervé. Et pour les démons, comme on appellerait ça, les Majin Shiriki. N'hésitez pas à me demander mon idée en ligne sur la Wii U pour ceux qui ont. Sur la PS3 aussi. Sur les autres consoles comme la Wii, PS4, etc. Voilà, n'hésitez pas à demander mon idée et échanger les idées qu'on s'en pourra jouer en ligne à certains jeux. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sera que sur PS4 et Xbox One. Moi je suis dégoûté. Bon, c'est cool, c'est cool. Bon. Voilà les amis. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et abonnez-vous, ça me fera vraiment plaisir. Bye.